Hi Romeo, this is Claude Junior La Bonté Lefebvre-Breveux from Monan. Here's what happened this week, in the last couple of weeks, at Monanus. So I've been to La Caravane last weekend, not this weekend, but last weekend. I was hired to do photography. I still filmed a little bit. Here's what I captured. Stan Smith. Wow. Donc on va faire le tour d'une couple de questions aujourd'hui, mais il va y avoir un Q&A à la fin si vous avez des questions plus précises sur vos studios ou vos projets actuels. Ça va être le temps de demander ça à des experts. C'est bon, on peut commencer. Donc moi j'ai une question pour Pierre pour commencer ça, pour lancer la chose, mais peut-être nous décrire un peu l'émission économique que le CIM fait. Oui, mais d'abord, besoin de gérer des studios. Ok, soit juste switcheroo de rap. Ouais. Filme ça encore de tout. Me vider la carte. Hein? Vide-toi la carte. C'est ça, la même part. C'est une expression assez louche. On est deux gars. Et puis, institutionnellement, Golem Labs, on ne participe pas souvent, mais je sais qu'individuellement, il y a du monde chez nous qui le font. On est vraiment bien rue d'épreuve, c'est genre 72 heures avec pratiquement. Puis c'est aussi le fait que ça permet tellement d'être créatif. Puis c'est ça qu'une initiative comme la ville est intéressante, où on peut essayer de montrer. Je pense que le principal problème que moi j'ai vécu, que je vois chez les jeunes qui se lancent, c'est que tu tombes en amour avec ton produit. Mm-hmm. Tu tombes en amour avec. Experience. It was nice to see like all of our friends in the game dev community. It was great to see Vincenzo and Sad. You remember Sad? I was also hard at work on my portfolio because like people starts to notice me and ask me to do work with them. And I don't have any portfolio, so I made a little video. I guess it's released by now. I don't know. I'm sure it's released by now. You can watch it. It's on my YouTube channel. Usually people they put it on Vimeo because it's for like more professional video makers. I figured I'd just put it on YouTube because this is where I put all my videos and I don't give a fuck. Oh, I also bought this. It's a major, major upgrade from the APK Mini, but it's actually not an upgrade. It's because I wanted like large keys. I don't enjoy that much playing on mini keys. It's the Alice's V25, but I might return it to buy 49 keys. I've actually not produced anything with it yet, so we'll see. That's it for me, Romeo. See you next week! I love you!